regarde et mes yeux globuleux. Que va-t-il dire? Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et sur Mike et nous nous retrouvons pour le 8e épisode de cette saga formidablement longue. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. C'est tout simplement parce que je comptais poster l'épisode 8 de Mike que j'ai déjà tourné avant les vacances. Avant les vacances, simplement, au début de la Toussaint. Mais néanmoins, j'ai malencontreusement perdu le dossier contenant Mike 8 dans les méandres de mon disque dur, du coup, j'ai pas pu le poster, et comme j'ai été pas mal occupé pendant les vacances de la Toussaint, j'ai pas pu produire d'épisode pendant ce temps-là. Donc c'est pour ça que je le produis maintenant. J'ai arrêté de j'ai tourné le premier Mike 8 en 1.3.2, et en 1.3.3, pardon, et maintenant, nous sommes en 1.4.4. C'est assez lointain tout ça, et ça fait un bout de temps que j'ai pas touché à Mike. Ça fait 3 semaines pour être précis, et il va falloir que je me décourdisse un petit peu les doigts. Donc je suis tout nu, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai tout perdu dans la salle précédente. Et on perd pas de temps. Aussi, je joue en paisible parce que dans l'épisode 8, Mike 8, que j'avais tourné avant les vacances, je suis mort plusieurs fois dans cette salle, dans la lave ici, et du coup, estimant que ce n'est pas très intéressant de me voir recommencer depuis là-bas tout le temps, je me suis mis invisible pour ne pas et mourir. Donc voilà, hop, on continue tout de suite. Donc pour ceux qui ont oublié, Mike, c'est une map parcours-aventure faite par 3 Français, Mayariri, Iseo et Kiyoshi, composé de 66 salles, et nous sommes à la salle 66 dans une petite sous-partie, car cette salle 66 est divisée en plusieurs sous-parties, un petit peu comme une dissertation. Donc voilà, aïe, je suis vraiment pas doué, je sais. Bientôt vous allez avoir quelque chose de nouveau sur la chaîne, hein. De toute façon, une annonce sera postée bientôt, très très bientôt, où tout sera expliqué. Tout sera expliqué, il n'y a pas de liaison, mais bon, je sais pas pourquoi j'en mets une. Où tout sera expliqué. Vous allez voir, enfin, j'espère que ça va vous plaire. Vous m'en direz des nouvelles. Hop là. Hop, on termine tout ça. Hop, on essaye de pas tomber dans la lave, ce serait intéressant. Hop là. Vous avez vu ça, le ski là, hein? Hop, hop là. Voilà. Et on continue. Pouf, pouf, pouf. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Pose tes TNT et boum! Évite de rester prêt. C'est un petit peu sympa, le petit conseil. Donc on y va, on va casser ça. Vu que j'ai pas mes TNT, je les ai plus. Et nous voilà. Alors, Afan. Merci d'avoir joué. L'équipe Mike vous souhaite un bon voyage. 3 jours de folie pour ces constructions. Attendez, on va reconstituer la glowstone. Hop, hop, hop. Et maintenant, ici. Hop là. On va la mettre ici. Et maintenant, je pense que nous pouvons jubiler. Attendez, on a quand même... Je pense qu'on a terminé Mike. On va prendre un petit wagonnet, on va se mettre sur les rails, là. Il n'y a pas de diamant caché. Non, il n'y a pas de diamant caché. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de Mike, tout simplement. Et oui, donc Mike est terminé. Attendez, j'ai enlevé la musique, comme ça, si je vais mettre une petite musique de fond, ce serait intéressant. Ah, voilà, musique désactivée. Et on y va, Mike. Là, ça lagouille, c'est assez embêtant. Ah, voilà, c'est bon, ça revient. Pouf, 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 et ben voilà, écoutez, on termine Mike, hein, ça fait 8 épisodes... Oh, le Nyan 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Nyan 4 ici. Donc ça fait 8 épisodes qu'on est ensemble, j'espère que ça vous plaît, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Bon, pas non plus énormément, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, et ça me fait, très plaisir. Bon, ça se dit pas, mais je m'en fous. Ça me fait plaisir, j'espère que ce que je fais vous plaît, et que vous allez continuer à me suivre très longtemps. Enfin, ou du moins longtemps. Enfin, jusqu'à la fin du monde, quoi, le 21 décembre. Mais enfin, voilà. Donc, voilà. Plouf, plouf, plouf. On tombe. Et ben non, on tombe pas. Nous sommes arrivés à la fin de Mike. Mais il me semble qu'il y a quand même qu'il y a quelque chose d'autre à voir avant d'en terminer. Une petite maison ici. Donc, on va aller d'abord. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette maison.
parce que c'est, ça paraît intéressant. Oui, aussi, je précise, je ne joue pas avec mon pack de texture Minecraft Alpha ce coup-ci, parce que donc je suis, ça fait 2 jours que la version 1.4.4 est sortie, donc le pack de texture a pas été mis à jour, simplement. C'est sympa ici, c'est un petit peu kitsch, j'aime bien. C'est pas très moderne, mais c'est sympa, j'aime bien. Hop, on monte. Pouf. Ouais, c'est sympathique. C'est très très champêtre. Mais voilà que je galère avec un bouton de porte. Non mais dis donc. Oh. Voilà. Une petite terrasse aussi, ouais, sympa. Non mais c'est sympa. Par contre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'autre de l'autre côté, donc on va aller voir un petit peu rapidement ce qui se passe. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà, Mike est terminé. Enfin, on peut dire qu'il est terminé, à moins qu'il y ait des épreuves secrètes là-bas. Donc, mais sinon, Mike est achevé. C'est cool. C'est vraiment cool parce que oh, des gâteaux. Ça lagouille un petit peu. Je sais pas ce que fait Optifine là. Ça va pas du tout. Enfin, bon, bref, des gâteaux, ouais. Un lecteur CD, enfin un jukebox. Il n'y a pas de coffre avec des CD dedans. Non. Tant pis. Bon, je mettrai une petite musique en fond, hein, s'il faut, c'est pas grave. Petite musique de victoire, et parce qu'on a terminé Mike, quoi. On a terminé Mike. Je suis trop content. On va enfin pouvoir passer à autre chose, et c'est... c'est cool, quoi. Ça me rend heureux. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres, hein? Ah, ce sont sûrement... Oh, un disque. Ouais, mais non. Non, je vais plutôt garder là. Oh, un casque, je vais pouvoir me casquer. Donc, je vais laisser la musique en fond. Une musique de victoire et de victoire, simplement. Oh, des diamants, plein de diamants. Plein de diamants. Oh, je suis heureux. Je me refais. Petit à petit, parce que j'ai tout perdu... dans la lave, c'est assez embêtant, donc on va pouvoir se casquer. Hop, un petit casque en or pour le style. Dedans il n'y a rien. On va se faire une armure en diamant. Là il n'y a rien. Ah, c'est quelque chose. Du boussole, ouais, il n'y a rien ici. Donc on va se faire une petite armure en diamant. Quoique non. Non, le bleu ici est comme ça, je l'aime bien. Donc on va pouvoir continuer. Et la visite d'un petit peu de ce qui se passe ici. Ouais, il y a une petite fontaine, sympa. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. C'est assez intriguant. Peut-être juste un petit phare comme ça, histoire de se repérer dans la nuit. Des blocs de diamants ici, ouais. C'est cool, c'est un petit village. Je pense que c'est le village où les mecs se sont mis pour... Trop de diamants. Où les mecs... excusez-moi. Les constructeurs de la map se sont mis pour stocker les outils, les choses comme ça pour de l'or pour créer la map. En tout cas, c'est sympathique, hein. Ils ont créé un petit village. C'est pas déplaisant. Donc voilà. Je remarque que ça fait beaucoup de fois que je dis oh, le fer c'est pas beau. Que ça fait beaucoup de fois que je dis oh voilà. Donc je vais essayer de pas dire voilà. Ni donc. Une petite cuisine, ouais, sympathique. Un petit sous-sol, qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Il n'y a pas grand-chose, une petite douche. Ouais. Bon voilà, en tout cas, on a fait le tour de Mike. Hein. C'est cool. Franchement, c'est cool, c'est une bonne map. Je la conseille à tous ceux qui sont avides de map aventure, où on se fend la tronche et où on défonce tout, quoi. Non, je plaisante. Enfin bref, ceux qui aiment les maps aventures, en tout cas, où on saute, où on meurt dans la lave toutes les 30 secondes, je vous la conseille, fortement. En tout cas, personnellement, je me suis bien amusé à la faire. Et pour ma prochaine aventure, je vais passer à autre chose. Enfin, je vais faire autre chose, hein, qui sera totalement différent. D'ailleurs, je vais vous montrer en avant-première ce que je vais faire... dans la prochaine aventure, enfin dans mon premier temps de parler, je vais donner un petit indice de ce que je vais faire. Donc c'est parti, il faut que je trouve un arbre, voilà. Un arbre, hop là. Donc voilà, on va couper un arbre. Donc voilà, ma prochaine aventure, ce sera du Minecraft, du vrai, ce sera de la survie. On va couper du bois, on va se construire nos maisons. Et voilà, donc voilà. En tout cas, Minecraft, Mike, tout ça touche à sa fin. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi. Allez.
les quelques personnes qui m'ont suivi et tous ceux qui me suivront à l'avenir. Merci à tous de m'avoir encouragé, d'avoir regardé mes vidéos, de m'avoir soutenu. À vrai dire, je sais pas trop quoi dire, en fait, mais voilà. C'est la fin de Mike, c'est la fin d'une aventure. Merci à tous, encore une fois, de m'avoir suivi. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une prochaine aventure sur Minecraft. Et voilà. Merci à tous, merci, je me répète, mais merci quand même. Et à bientôt, à plus tard, c'était Sorcilius sur Minecraft et sur Mike, que vous pouvez voir devant ici. Voilà, salut!